Alors, on venait d'arriver à la citadelle, on venait de discuter, on venait de nous dire que c'était mal barré pour devenir spectre, parce qu'on avançait des propos qui étaient super négatifs, etc. Et il fallait qu'on aille, je ne sais plus où. On va retrouver, d'abord on va parler à Ashley. Ashley! J'arrive pas à différencier les aliens des animaux. Ok. Ok, madame. Bon, Ashley, elle est raciste. Ça, j'avais bien compris. C'est le peu de souvenirs que j'avais du jeu, du début qu'on avait fait. Il y a de l'espace. Kaydan était C'est très calme. plus tolérant qu'Ashley, qui est vraiment hardcore dans ses idées, quoi. Sacré lac, quand même. Vous croyez qu'il y a déjà eu des noyés? Ok, donc elle, c'est la pessimiste, et lui, c'est l'optimiste. Ça va être à moi de choisir entre les deux, quoi. En gros, il va falloir que je tranche entre les deux. Je vais trancher entre les deux. Oui, on arrive direct racisme sur 20, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'il y a Je comprends ici? bien, mais vos allégations sont très graves. Je ne peux pas. Mais c'est sérieux. Ma réputation est en jeu. Je me suis confié à la favorite en privé et elle a trahi ma confiance. Très bien. Je vais m'en occuper pour vous. En attendant, ne commettez pas d'imprudence. Est-ce que tu veux être mon dauphin poney personnel? Je monterai sur ton dos, je te ferai des câlins. Sérieux, celui qui me dit que c'est pas des dauphins poneys. Franchement. C'est trop cute, j'adore ces trucs. Alors. Bonjour, humaine. Sincère. Désolé, mais je suis ici pour affaires et je ne veux pas être dérangé. Vous avez l'air soucieux, je peux faire quelque chose pour vous aider? À l'armée. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? C'est une catastrophe. Et tout est de la faute de la favorite Azari. C'est elle qui a tout déclenché. Qu'est-ce que cette Asahari a bien pu faire pour vous mettre dans un tel état? Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate. Tant ta voix, mec, elle est tellement dans les basses. Ça me fait vibrer la cage thoracique, quoi. Où se trouve cette favorite Asahari? Vous la trouverez de l'autre côté du pont. Son établissement est très facile à repérer. Bonne journée, humaine. Ok. Je dois y aller. Lol. Salut. Réjoui. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer un représentant de votre espèce humaine. C'est vrai? Tu peux me laisser monter sur ton dos? Je suis l'ambassadeur Kaylin. Sincère. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Pourquoi vous commentez ce que vous allez dire? Notre peuple communique davantage par l'odorat et les mouvements que par les paroles. Nous avons découvert que notre expression orale ne suffisait pas pour communiquer nos sentiments aux autres espèces. Pourquoi insistez-vous, Kaylin? Ces êtres humains n'ont que faire de nos usages. Déçu. Dean. Merci, Théos. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Et si vous le pensez, j'en suis navré pour vous. Je ferai un remerciement des dons à la fin du live, si ça vous dérange pas. Je vous dirai merci spontanément. Je ferai un vrai merci à la fin du live, parce que je veux pas gâcher le gameplay, etc., à m'arrêter à lire vos messages, ce que j'ai fait hier. Et on a dû faire plein de coupes dans le montage. Voilà. Donc, si ça vous dérange pas, je vous dirai merci ponctuellement pour les dons, les follow, etc. Si je les vois passer, les follow, parce que comme ils sont petits en haut, j'aurai du mal à les voir. Et je vous ferai un vrai remerciement en fin de live. Parlez-moi de votre espèce. Enthousiaste. Je prends un réel plaisir à évoquer l'histoire de mon peuple. Il m'est agréable de faire découvrir à autrui notre culture. C'est quoi ton histoire? Parlez-moi de l'histoire et des origines du peuple Elcor. Les Elcor commençaient tout juste à explorer l'espace concilien lorsque les Asari sont entrés en contact avec eux. C'est grâce à eux que nous avons trouvé le relais le plus proche, et donc la citadelle. Fière. En l'espace d'une génération, nous avons établi une route vers la citadelle, et sommes rapidement devenus l'une des espèces les plus actives de cette immense station. Ah, vous avez pris contrôle, quoi. J'aimerais en savoir plus sur la culture des Elcor. Franc. Les Elcor préfèrent généralement le confort et la sécurité de leur propre colonie, au désagrément de l'exploration spatiale. Notre société s'est érigée sur des micro-communautés très unies. Mais nous accueillons très volontiers les étrangers.
Notre gouvernement est extrêmement stable. Notre peuple apprécie peu les changements soudains. Pourquoi on peut pas leur demander s'ils savent très bien nager ? Quelle est votre fonction ici ? Modeste. J'ai l'honneur de porter les problèmes et les requêtes du peuple Elcor à l'attention du Conseil. Ces postes ont été créés dans le seul but de nous faire taire. Le Conseil se moque royalement de nos races. Toi, t'es une taupe avec un chapeau, dégage. Critique. Votre ton est inapproprié, Dean. Cette humaine n'est pas responsable de votre mécontentement, ni de vos soupçons déplacés. Au revoir, ambassadeur. Chaleureux. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit je dois y aller. Bonne journée humaine. Passez un bon séjour dans la citadelle. Je veux parler à la taupe. On dirait que vous vous êtes trompé d'endroit, être humain. L'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté. On dirait que t'as oublié ton inhalateur. Un minimum de politesse, Dean. Présentez-vous tout de même. Je suis Dean. Dean la paupiette. Ambassadeur Volus, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, être humain ? Attends, tu m'es tellement antipathique, mec. Vous m'avez l'air bien aigri, Dean. Vous, les humains, vous êtes nouveaux à la citadelle. Et pourtant, le Conseil vous a accordé une immense faveur. Je suis ton père. Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions. Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la citadelle. Oui ? Tu l'as dit ? Des détails ! Ok, d'accord. Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace. Les antipathiques, c'est pas automatique. J'ai même pas envie de te demander. Quel merci, Maglu. Vous êtes dans l'ambassade des Volus et des Elcor. Votre ambassadeur est dans son bureau à côté. Dans cet espace partagé, j'aide mes frères Volus. Du moins, quand je ne suis pas interrompu. Oh bah c'est sûr que s'il te faut un quart d'heure pour parler, mon gars. Au revoir, ambassadeur. Tu dois être souvent dérangé. Bonne journée. Ouais, c'est bon, je me barre. Tu m'as saoulé. T'es trop chiant, mec. Donc là, c'est là où qu'on était. On est d'accord ? Voilà. On a pris un peu plus sur les races. Les races ! Ouvre-toi la porte. Elle m'a écouté. Elle est sympa. Faut que j'aille là où il y a la petite croix, je crois. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Bonjour et bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle. Vous êtes une personne ou un programme ? Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive, programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanés dans les centres d'intérêt de ce niveau de la citadelle. Alors, pourquoi ton médecin ? Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium, si vous avez besoin d'aide. Fais-moi visiter. Vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du Présidium. Des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la citadelle, ainsi que le quartier général du SSC. D'accord. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la citadelle, où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les spectres ? Le terme spectre est l'acronyme de la section Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance du Conseil. Chaque agent est directement choisi par les membres du Conseil. Leur but premier est de préserver la stabilité galactique et de résoudre des crises qui ne peuvent pas être gérées par les moyens politiques et diplomatiques habituels. Pour cela, leur juridiction s'étend à toute la galaxie et on leur accorde des droits exceptionnels. Les spectres ne sont soumis à aucune loi et ne sont responsables de leurs actes que devant le Conseil. D'accord, super. Donc en gros, ils veulent que je devienne un spectre pour foutre le bordel, quoi. Je répondrai à aucune loi. Parle-moi des ambassades. Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au Présidium.
Il y a environ 2384 années galactiques standard, les Volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade. L'espace de la citadelle s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées. La plus récente est celle de votre propre espèce, l'humanité. Elle fut construite il y a 19 années galactiques standard, malgré de vives protestations. D'accord. Pourquoi les Volus ont-ils été les premiers à avoir une ambassade ? Dans les années qui suivirent la fondation du Conseil, les Volus étaient, après les Asari et les Galariens, l'espèce la plus nombreuse dans l'espace de la citadelle. Ok, Siri. Ils établirent de nombreuses colonies et comptoirs commerciaux et adressèrent une pétition au Conseil pour qu'on leur accorde une place cosmopolitique plus importante. Il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'harmonisation du commerce interstellaire, les Volus obtiendraient une ambassade. Ok, d'accord. Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce à l'écart ? Certaines espèces pensaient que l'humanité bénéficiait d'un traitement de faveur. Il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade. À l'issue de longues délibérations, le Conseil a décidé que l'influence de l'humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade. Tu es d'accord avec cette décision ? Je ne suis pas programmée pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples. D'accord. C'est exactement ça. Alors, il y a Mago Garage dans le chat qui dit « Il y a les espèces cosmopolitiquement importantes et il y a celles avec qui on construit un mur. » Hashtag Trump. C'est exactement ça. Pourquoi ? Bon, allez, je pense qu'on en a suffisamment appris. À bientôt et merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle. Qu'est-ce que tu mates, toi ? Qu'est-ce que tu mates ? Tu veux qu'on s'ambiance ? Je crois pas, non, je crois pas. Bonjour, vous êtes qui ? Qu'est-ce donc ? Un être humain ? Et célèbre avec ça ? Vous êtes la dénommée Shepard, c'est exact ? Tiens, c'est rigolo, toi, tu respires pas bizarrement. Le récit de votre survie lors de la tragédie d'Akuzé est vraiment remarquable. Je suis ébahi à chaque fois que je l'entends. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi, être humain. Je m'appelle Barlavon. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. Parlez-moi de votre métier. La finance galactique est incroyablement complexe. C'est un magma de lois et de règles établies par des dizaines d'économies interstellaires. Je suis spécialiste dans les relations entre ces économies. Mon expertise est au service de mes clients, moyennant finance, bien sûr. Je propose aussi un forfait spécial aux clients qui ont besoin de discrétion dans leurs affaires. Efficacité et discrétion, telle est ma devise. Ok. Ça m'a l'air louche, tout ça. Tout ce que je fais respecte scrupuleusement les lois sur le commerce interstellaire. Là n'est pas la question. La confidentialité est le maître mot de ma profession. Imaginez par exemple qu'un ambassadeur Anari demande au Conseil de réduire les droits de douane sur les produits de son espèce. De quoi aurait-il l'air s'il avait des parts dans une société d'exportation Anari ? Même s'il voulait réellement aider son peuple, il serait accusé de déposer une requête pour son profit personnel. Je peux faire en sorte que ses propres intérêts restent confidentiels. Ok. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Ouais, salut, ouais. Bonjour, toi! Salut! Ah, on est très heureux de vous accueillir dans son bazar décadent, humaine. Qui êtes-vous? On s'appelle Delan Inder, mais ici, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Delan. Tu sonnes comme... Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. L'effet vocal qu'il y a dessus, ça me fait penser... À Shadow of the Colossus, l'effet vocal qu'il y avait sur l'entité qui vous parle. Voilà. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie humaine, vous ne serez pas déçus. Non, mais en fait, je peux pas faire ça plus tard, parce que...
Ouais, t'es mignon. On verra plus tard. On n'est pas là pour ça. Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est l'ambassadeur Udina qui vous envoie ? Je viens de mon propre chef. J'ai besoin d'informations. Les humains sont tellement curieux, toujours à fourrer leur nez dans la gueule du loup. C'est comme ça qu'on dit. Pas du tout. Peu importe, oubliez ça. Vous désirez quelque chose, commandant ? Bah ouais, viens, on discute de ton pote. J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains. Je ne vous fais pas confiance, c'est tout. Pas encore. Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible, et ils y parviennent plutôt bien. Non, moi j'essaie juste de survivre, en fait. Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion. Le Conseil nous traite comme des citoyens de seconde zone. Tout ce que nous le gagnons parce que nous nous battons. Très bien, alors battez-vous. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous laisse faire. Je suis extrêmement occupé, commandant. Ce sera tout ? Non, je vais te poser plein de questions, juste pour te faire chier. Parlez-moi de votre enquête sur Saren. Désolé, commandant. Je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours. Que pouvez-vous me dire sur les spectres ? Ils sont le bras droit du Conseil. Du moins, c'est comme ça qu'ils se font appeler. À mon sens, ce sont plutôt leurs âmes damnées. Leurs âmes damnées ! Vous reprochez quoi aux spectres ? Je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au-dessus des lois. Surtout quand chaque spectre décide seul où et quand les contourner. Ah ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parlez-moi du SSC. Le SSC sert de force de police et de sécurité dans la citadelle. Nous sommes une agence gouvernementale civile, mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire. Bien entendu, en tant que représentant du SSC auprès du Conseil, je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les deux. C'est bien dit, c'est joliment dit. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. Arrête d'avoir le seum contre moi, frère. Je t'aime bien. Je t'assure. T'es bleu et tout, c'est joli. Salut ! Salut. Cet endroit est étrange. J'aurais préféré voir plus d'humains. Ok, un raciste de plus. Et de deux. Salut, je vous dérange? Non? Vous voulez pas... Oh, eux, ils veulent pas parler. Toi, qui fait le beau gosse appuyé contre un mur? Non? Toi! Ah, faut... Qu'est-ce que vous voulez? Oh, commandant, je peux faire quelque chose pour vous? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant? Commandant ? Ah, il s'est chié dessus, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari ? Je... c'est une Asari qui travaille ici, comme les... Enfin... Elle aide les gens à faire des trucs. Frédérix, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie. Non, jamais, hein. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel, juste pour pouvoir lui parler. Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver. Elle va me kiffer, je le sais. De l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarre. Vas-y, toi. Je ferai attention. On t'a pas demandé ton avis, Ashley Williams. Et vous deux, c'est pareil. Surtout toi, là, avec ton casque en plastique sur le front. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. D'accord, me donne pas l'occasion de te parler dans ce cas. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Eh bah, tu peux être un peu moins enjoué pour commencer. Oui, Megan, je trouve aussi. On dirait la voix d'Hercule. La voix du petit mec avec qui on a discuté. C'est sans doute lui d'ailleurs. Au revoir. Ok. Je... À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Allez. J'ai compris, on va aller voir la favorite. Quoique, il nous reste ce coin-là de l'ambassade. Pff, ils vont encore nous raconter des trucs dont on se fout complètement. Allez, on y va. Ouvre-toi, mon porte !